stars. Salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau tutoriel sur Soul Calibur 5. Alors aujourd'hui, tuto qui concerne Colossus, personnage de Marvel. Tuto qui sera assez simple et assez rapide normalement. Alors on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par prendre le style Nightmare. Donc taille maximum, le corps athlétique. Ensuite, proportion du corps, nous allons mettre 8. 4. 6, 0, moins 20, moins 12, moins 16, moins 20, moins 16 et 4. Bon, alors pour le visage, visage 15, cheveux, brosse courte, alors pas de sourcils, et pour la voix, chef, nous allons mettre chef fiable, 0, 0, et j'ai mis léger. Alors l'équipement, on passe directement au masque, on va mettre le masque de magicien. Ici, donc ce sera la combinaison intégrale, tunique en lin. On passe directement à la ceinture, alors ceinture de marquis. Les bandages avant-bras. Ensuite on passe directement aux bottes, bottes à revers. Et on arrive aux objets d'équipement. Alors j'ai dû lui faire un slip en carapace de tortue, j'ai plus d'autre choix. Ça doit pas être très confortable, mais bon. S'il a les boules en acier comme le reste du corps, ça doit pas être trop dérangeant pour lui, on va dire. Alors on va le placer. Voilà. On va le placer comme ceci. Alors les données, nous allons mettre 0, moins 1, 41. Enfin, moins 41, excusez-moi. Ensuite, moins 13, moins 48, 25, moins 84, et 2 fois 0, ce qui donne ceci. Alors, nous allons faire le slip également derrière. Toujours carapace de tortue, on va le placer au même endroit. Ici ça sera 1, 0, moins 50, moins 32, moins 46, moins 3, moins 125, moins 118, ici ce sera pas 218, ce sera moins 25. Voilà ce qui donne ceci. Ça fait un peu limite pas loin du string, on va dire, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Bon, ça va encore, c'est pas trop dégueulasse. Alors on passe directement ici aux boucles d'oreilles. Alors nous allons mettre 6 moins 3. Alors comme d'habitude c'est pour placer dans les yeux afin de mettre les yeux blancs par la suite. Alors 14, 0, moins 17. 3 fois 0 et 90. Alors, est-ce que c'est bien mis? Alors ensuite. Pour l'arme, j'ai mis lame de chrome. Bon, j'ai pas mis d'effet. Alors, on passe aux couleurs. Couleur de peau. Alors, j'ai mis 9.36.6. Bon, pour le moment, ça fait un peu bizarre, mais ça fera mieux avec le masque mis en couleur. Alors, les cheveux. Ici, 5.40.31. Pour les yeux j'ai mis du blanc hein, pour les deux couleurs. Donc voilà. Alors pour les équipements,
Le masque des magiciens. Donc, ce sera du gris en 7-0-9. La combinaison en jaune 9-2-13. Tunique. La tunique en lin. Donc, c'est du rouge 8-1-17. La cordelette, nous allons la mettre en 9-1-14. Alors, la ceinture, première couleur, ce sera 9, 11, 23. Ensuite, ce sera du rouge, donc 9, 1, 16. Ici, nous allons utiliser un motif, basique 4. Alors on va déjà mettre les couleurs pour s'y repérer. 9, 11, 13. Et ensuite 9, 1, 13. Alors on va le changer l'angle pour arriver bien droit ici. Ensuite la taille, nous allons agrandir jusqu'ici. Afin de faire des bandes jaunes. Ensuite, les bandages. Ce sera rouge en 9, 1, 18. Pour les bottes, nous allons mettre 9, 1, 14. Ensuite, couleur jaune, 9, 10, 14. Et pour les semelles, nous remettons la couleur rouge, donc 9 1 14. Ensuite, le fameux slip, ce sera en rouge, 9 1 13. Pareil pour derrière, donc 9 1 13. Et les boucles d'oreilles, donc ce sera en blanc, en 4 0 2. Voilà, ce qui donne ceci pour le moment. Alors, on va passer au sticker. Donc, on commence par la combinaison intégrale avec le motif 58 en guide. Alors, on le place sur le bras droit. Alors, on va mettre la taille à fond. Et donc, on va peut-être baisser légèrement pour les doigts. Ceci. Couleur, nous allons mettre 001. Alors, on reprend toujours le motif 58, toujours en guide. Ne pas oublier de mettre sur le bras droit. Alors ici, on met horizontal à fond, ainsi que la taille, comme ceci. Ensuite, on descend légèrement pour les doigts, comme ceci, voilà. Toujours couleur 001. On a fini pour les bras, on va s'attaquer donc aux jambes. Alors, toujours en guide, on place sur la jambe droite, on met la taille à fond, et on fait une rotation verticale, enfin, voilà, on n'a plus qu'à changer la couleur 001 comme ceci. Alors on va faire pour derrière, donc toujours en guide, jambe droite, alors horizontale à fond et la taille également. On regarde derrière, donc on fait une rotation verticale. Ceci et la couleur 4, donc non 001. Voilà, donc c'est fini pour les jambes. Alors on passe maintenant la tunique en lin. Nous allons prendre toujours motif 58, toujours en guide. Ensuite, la taille
nous allons mettre à peu près on va descendre. Moi je le mets à peu près sur le T d'horizontali, donc je sais pas, à peu près ici. Alors je le retourne verticalement, comme ceci. Ensuite je vais le placer sous le bras. On va mettre pour le moment comme ceci. Alors on va utiliser un petit bug de sticker. Donc je vais sur le sticker d'à côté et je reviens sur le précédent. Donc ce qui donne ceci. Ensuite bah, on peut placer le sticker comme on le souhaite. Donc c'est à peu près. On va le mettre ceci. Alors on va faire pareil de l'autre côté. Ah par contre j'ai oublié la couleur, donc il va falloir que je refasse le bug. Toujours la taille à peu près ici. Un petit flip, donc rotation verticale. Je le mets à peu près comme ceci. Le petit bug, je reviens, je descends. On va essayer que ce soit à peu près à la même hauteur. Encore un peu comme ceci, c'est bon. Ne pas oublier la couleur. On va faire la même erreur que tout à l'heure. Donc 001. Voilà. Alors ensuite, ici, ça va être un peu plus compliqué. Nous allons prendre le chiffre 2 en axis, donc en guide. Ne pas oublier de mettre sur le corps entier. Alors, ce que nous allons faire, nous allons mettre... On va commencer par la taille. La taille, on va au fond et on compte moins 13 à partir du fond. Voilà, comme ceci. On fait de même pour vertical, on va au fond. Et ici, par contre, nous comptons moins 2. Voilà. On passe à la rotation. La rotation, on va s'aligner à peu près sur le A, ici. Comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à bouger horizontalement pour centrer le sticker à peu près ici. Alors on passe aux couleurs. On va mettre première couleur 9 11 14, et pour la deuxième nous allons mettre 9 9 17, faire un petit dégradé pour l'ombrage de la veste. 9 17, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il y a donc le sticker qui dépasse. Nous allons nous servir du sticker numéro 1 en guide. Alors, on va le placer derrière, comme ceci. Ensuite, nous allons mettre la taille à peu près comme ceci. On va le monter donc. Ah, j'ai oublié par contre, ne pas oublier de mettre le corps entier. Voilà, c'est l'erreur que je viens de faire justement. Alors, on va recommencer horizontal. Et donc, là, on est bon normalement. Légèrement la taille, comme ceci. Voilà. Alors, les couleurs. Ici ce sera 9, 10, 11. Et ici ce sera au rouge, donc comme la veste, 8, 1, 17. Voilà, comme ceci. Alors le perso est fini. On va passer couleur d'armes. Alors ici ce sera bon, couleur acier hein, donc on va mettre 002. Là ce sera du rouge à
9 à 20. Et ici donc ce sera du jaune pour la poignée. Nous allons mettre 9, 10 à... 9, 10, 15. Alors, la petite photo habituelle. Bon, je vais mettre à la pose numéro 7. Petit zoom. Ceci. Alors, le décor, on va mettre décor... voilà, métallique. Alors le nom, hop, c'est parti, Colossus. Et on va voir tout ça en mouvement. Ceci. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve comme d'habitude pour un prochain tuto. Salut à tous, ciao !